Hello tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er février et ça s'annonce pas top top, hein. Ce virus qui nous vient de Chine, vous vous rendez compte ce qu'il nous fait là? Pourquoi j'ai le sourire? C'est pas joyeux, hein, ce qui se passe. Mais c'est juste parce que je vois où ça va nous mener, cette histoire de virus. Alors, on a affrété un avion de l'armée quand même, hein, pour ramener les gens. Ouais, pour ramener les gens. Et puis, les hôpitaux, ils sont prêts aussi à recevoir les gens qui sont contaminés, ou qui pourraient l'être. Ouais. Sauf qu'il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux. Ouais. Et là, c'est une épidémie, une pandémie, c'est tout ce que vous voulez. C'est en train de faire le tour du monde. Bah ouais. Désolé, il fait un peu frais, hein. Enfin, c'est pas qu'il fait froid, hein. C'est la fibro, mais on a l'habitude. Bon, c'est pas le but. Et voilà. Donc, moi, je me dis que les hôpitaux n'ayant pas assez de place. Parce que c'est, comment dirais-je, c'est vraiment, là, le monde entier est plein. Il y en a de partout. Et comme les hôpitaux, bah, ils ne pourront pas tous les prendre, non. Enfin, je parle de la France. Ils ne pourront pas tous les prendre, non. Donc, je me dis que les camps FEMA, ou quel que soit le nom que vous voulez leur donner, bah du coup, ils vont avoir leur utilité. Bah ouais. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Faut bien les mettre quelque part, ces gens-là. Les gens qui sont contaminés. Hein. Ou qui ne le sont pas, mais qu'on va les déclarer comme. Voilà. Et est-ce que ça ne serait pas le début? Est-ce que ça ne serait pas le début? Parce que figurez-vous que le virus, il est super résistant. Tellement résistant qu'il résiste à tout. Il résiste à tout. On peut rien y faire. Non, on peut rien y faire. Oh, on aurait beau essayer, hein. On a essayé? Non. Et c'est trop tôt. Ouais. 15 jours d'incubation, il se déclare qu'après. Pendant ces 15 jours, vous avez le temps de faire le tour du monde et de polluer, de contaminer tout le monde. Tout ça pour un coronavirus qui, au final, n'est pas autre chose qu'une grippe mélangée avec une bronchite ou avec une pneumonie, peu importe, enfin bref. Voilà. Vous avez de la fièvre, vous avez les muscles complètement endoloris, vous respirez mal, et voilà. Et c'est les symptômes d'une fièvre, d'une bonne fièvre, d'une bonne grippe. Mais ça vient de Chine. Et on ne sait pas ce qui se passe en Chine. Donc c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est tellement grave qu'on en oublie tout le reste. Ah bah ouais, vous comprenez, si l'armée met le nez dedans, c'est bon là, on est foutu là. Hein. Donc voilà, je me dis, si on va pas tout droit vers les camps qui nous ont préparés en loose day derrière notre dos. Voilà. Je sais pas, je me pose la question et vous, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, c'est tellement grave comme je vous disais, c'est tellement grave qu'on en oublie tout le reste. On oublie ceux qui sont encore en bonne santé, mais qui sont dans la misère. Ouais, on les oublie. On oublie tout le monde d'ailleurs. On oublie les vaccins, on oublie la pédophilie, on oublie les conneries du président, du premier ministre. On oublie tout. Ce qui est marrant, c'est que eux, ils n'ont pas peur. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'avaient pas peur? Ils n'ont pas peur. Hein. Non, non. Et puis, ils ne portent pas de masque non plus. Portent pas de masque. Moi, j'ai encore pas vu le président porter un masque à la télé à une interview. Je l'ai pas vu, hein. Pas plus que le premier ministre et pas plus que les autres d'ailleurs. Ah ouais, non, mais ils doivent avoir comment dire, un globe au-dessus de l'Élysée, de chez eux, de tout, pour pas être atteints.
Non, ils sont, ah bah, ils sont dans le système, forcément. Donc, ils vont pas être là. Oh. Il y en a qui prient pour que ça arrive, hein. Mais ça n'arrivera pas. Ah, ils sont trop bien protégés, vous pensez bien. Par contre, nous, on sait autre chose. Je vous rappelle quand même qu'on veut faire diminuer la population des trois quarts. Hein. Quoi de mieux qu'un virus qui peut tuer les enfants? Bah oui, les bébés, hein, c'est quand même nous, en plus vieux, les bébés, c'est nous. Hein. Donc, qui peut tuer les bébés, qui peut tuer les personnes âgées. D'ailleurs, c'est beaucoup les personnes âgées qui sont atteintes. Hein. Et les femmes enceintes, forcément, toutes les personnes qui sont fragiles, hein, de santé. Ouais. Puis nous, bah, ils continuent à nous envoyer leur merde du ciel, là, hein, histoire qu'on se fragilise, hein, que nos défenses immunitaires en prennent un coup et que bah, on ne puisse pas se battre. Bah, voilà. Et on est bien parti. Mais pour l'instant, ça va. Oh, il n'y a que quelques cas en France. Tout va bien. On a tous notre maison. On a tous nous, de quoi. On a tous de quoi manger dans notre assiette, bon ou mauvais. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Hein? Parce que même ce qu'on plante dans nos jardins, c'est assez meilleur. C'est sûr que c'est meilleur que dans les centres commerciaux. Forcément, il n'y a pas de pesticides dedans, donc c'est meilleur. Mais il y a la pluie. Et la pluie, elle est quand même un peu contaminée. Oui, je vois ça. Je vois ça, c'est pas plus compliqué, je vais vous expliquer. Je vois que la pluie est contaminée quand elle tombe sur les fleurs. Ouais, les fleurs et les feuilles des fleurs et les feuilles des légumes et tout. On voit que la pluie est contaminée. Parce que c'est pas les insectes hein, qui font certains trous et certains... Non, non, non. C'est pas les insectes. Mais bon, comme d'habitude... Je dis bien ce que je veux et vous en faites qu'à votre tête. Mais pour le coup, juste comme ça, entre parenthèses, pardon, je tousse, oh là, attention. Pour le coup, si vous pouviez aider un petit peu ceux qui sont encore pas dans cet état-là et qu'on pourrait peut-être sauver, hein, ouais, parce que moi, ça me débête de voir que les gens sont prêts à donner des milliers d'euros pour faire le tour du monde, qui sont prêts à donner des milliers d'euros pour faire une croisière, qui sont prêts à donner des milliers d'euros pour devenir propriétaire de quelque chose qui ne leur appartiendra pas, soit dit en passant. Mais bon, on va laisser l'illusion, hein? On va laisser dans la virtualité. Et d'ailleurs, ils l'ont dit l'autre fois au journal, hein? Ouais, ils l'ont dit, hein? Mon ego, il en a pris un coup, il était super content. Hein? Il disait, tiens, pour un coup, t'avais raison, ma vieille, ça y est, c'est confirmé. Leur objectif, c'est d'aller vers de l'argent virtuel, voilà. Ils l'ont dit. Pardon. D'où le fait qu'il commence à éliminer les petites pièces de 1 centime, de 2 centimes, qu'ils enlèvent les distributeurs. Ils enlèvent les distributeurs, ils diminuent les distributeurs, il n'y en a plus beaucoup. Les distributeurs. Pour l'instant, ils sont encore dans les banques, mais quand les banques vont fermer, les distributeurs, il n'y en aura plus. On m'a dit, oh, mais, on ne connaîtra pas ça de notre génération. Ah, ben ça y est, on est dedans. Et vous n'avez pas vu encore? Il est temps. Il est temps parce que non seulement on le voit, mais en plus, ils nous le disent. Hein. Alors, si vous voulez rien savoir, hein, c'est pas manque d'information. C'est manque de vouloir être informé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça, si on pouvait aider les gens qui sont dans la misère, ce serait bien aussi. Hein, qu'on ne les oublie pas. Hein, que ce virus de merde, de rien de tout, qui nous vient de Chine, s'il pouvait
Si vous pouviez l'oublier 5 minutes et penser qu'il y a des gens qui sont en danger, mais plus en danger que vous, parce qu'ils n'ont rien, ouais, ça serait bien de penser à eux. Ça serait bien de penser à eux. Ouais. Alors, je comprends, hein, vous avez votre maison, vous avez de quoi donner à manger à vos enfants, vous avez de quoi manger, vous avez un travail, mais pourquoi est-ce que vous auriez... Mais pourquoi est-ce que vous iriez donner 10 ou 20 centimes à un triste inconnu que vous ne connaissez pas, qui est dans la rue, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de maison, qui n'a rien du tout? Pourquoi iriez-vous l'aider, cet homme-là, ou cette femme, ou cet enfant? Parce qu'il y a des enfants maintenant aussi, ouais. Vous ne le saviez pas, mais oui, il y a des enfants dans la rue maintenant. Mais pourquoi les aider? Bon, puis ils ne font pas partie de la famille. Il n'y a pas de raison de les aider. Et puis, autant 10 centimes, c'est 10 centimes. Hein, on a bossé, hein, on a trimé pour les avoir, ouais. Par contre, les donner au système et puis les donner... au pouvoir qui est en place, ça dérange pas, hein, ça dérange personne. Non, non, payer des taxes et des TVA et tout, ça dérange personne. Ça, c'est devenu une habitude. Mais aider les gens qui sont dans la difficulté, des gens qu'on connaît pas, des gens qui... Mais dites-moi, Macron, vous le connaissez d'où? Pourtant, vous lui en donnez du pognon, hein. À plus que 2 centimes, hein, ou de plus que 20 centimes et plus que 30 centimes. Vous lui en donnez du pognon, hein. Et vous le connaissez de nulle part. Il ne fait pas partie de votre famille. Et il vous met dans la merde. Tous les jours, un peu plus. Il vous écrase avec son pied. Tiens, allez, donne ce que t'as. Ah ouais? Eh bien, vous êtes content, pourquoi? C'est une habitude, hein. On va pas changer les habitudes. Oh, on va pas changer une équipe qui gagne. Ça serait trop bête. Attendez. Ah, mais ouais. Mais nous, quand on a tout ce qu'il nous faut, on pense pas aux autres. Allez, nous, on a ce qu'il nous faut. On est content. On est heureux. On part en vacances. On est en bonne santé. Tout va bien. Ouais, les autres, ils ont qu'à se démerder. Hein. Pff, ils ont pas d'argent. Ils ont pas d'argent. C'est leur problème. C'est pas le nôtre. Hein. Bah ouais. Sauf que ça peut vous arriver aussi, tel que c'est pareil là. Tel que c'est parti, ça peut arriver à tout le monde. Ah, mais vous vous en rendez pas compte. Ouais, mais c'est comme l'argent virtuel. Non, non, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Non, non. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et comme tout le reste. Tant qu'on est bien dans notre vie, tant qu'on est bien dans notre famille, tant qu'on est bien chez nous, on pense pas aux autres. Par contre, on gueule beaucoup. On gueule beaucoup. Ah, ouais. On est content de rien. On est content de rien du tout. Hein? On est contre, mais on n'agit pas. On trouve, on s'en agit pas. Pourtant, si on se donnait la main, c'est pour ça hein, que j'ai mis les mains réunies en photo, parce que si on se donnait la main, si on était tous, si on était une poignée de personnes à se donner la main et à se dire oui, tiens, on va faire un pas dans la direction qu'ils veulent pas. Ça nous ferait avancer un peu. Ça éviterait beaucoup de choses. Ça éviterait toutes ces maladies. Ça éviterait toutes ces contaminations. Ça éviterait tous ces camps. Ça éviterait tous ces hôpitaux auxquels il manque des lits qu'on n'a pas. C'est pas compliqué, hein. Dans une maternité, dans un hôpital, dans une clinique, dans une maternité. Avant, quand une femme allait accoucher, elle restait minimum 4-5 jours hein, pour voir si tout allait bien, surtout si c'était un premier, hein, pour voir si tout allait bien, si la maman et le bébé arrivaient, si la maman arrivait à bien faire allaiter son bébé, etc. Enfin bon, on les chouchoutait pendant une semaine parce qu'il fallait bien. Sauf que maintenant, on n'a plus de lit. Alors, si l'accouchement s'est bien passé, au bout de 2 jours, 2, 3 jours, hop, dehors. On a besoin du lit pour quelqu'un d'autre. C'est vachement bien. Ah, on va dans le bon sens, hein, je vous le dis. Hein. Et vous voyez pas, ça vous perturbe pas, ça vous dérange pas. C'est hallucinant. Moi, ça m'hallucine. Ça me... Je sais pas. Et pourtant, il y aurait juste à ouvrir les yeux. Il y a juste à ouvrir les yeux. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Ouvrez les yeux. Mais non, 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 non.
On est dans notre petite vie tranquille, on va pas aller. Ah, comme dirait Coluche, hein, moi je veux pas dormir avec la police. Hein. Ouais. Ah non, non. Oh, peut-être pas dormir avec la police. Hein. T'as peut-être des emmerdes avec quelqu'un d'autre. Voilà, bah, c'était les petites news du 1er février. Hein. Soyez heureux, mes amis. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Laissez tomber les autres. Non, les gens qu'on ne connaît pas, faut pas. Non. On les laisse où ils sont. Bah, ils ont qu'à crever de froid, puis de faim. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On est bien. Pourquoi est-ce qu'on irait les aider? Sérieux? Ils sont peut-être mis là à cause d'eux. C'est peut-être de leur faute. Ils ont peut-être pas fait assez d'études. Ou peut-être que ils veulent devenir marginal par goût, par envie, par. Voilà. Ouais, bah, on va pas les aider. Hein. Ça sert à rien. Hein. Non, non. Ça sert à rien. Ouais, bah, le système me déçoit de plus en plus. Les Français me déçoivent de plus en plus. Ouais. Je suis en France. Nationalité française. Pas plus heureuse. Enfin, heureuse, très heureuse. Mais ce qui me rendrait encore plus heureuse, c'est de voir que les gens comprennent que tout seul, ils arriveront à rien. Et qu'ils ont besoin de. Les êtres humains ont besoin les uns des autres, en tant qu'êtres incarnés, ils ont besoin les uns des autres pour pouvoir avancer dans ce monde. Parce que si vous pensez que il y a Jésus qui va descendre sur terre, ou Dieu, pour nous sauver de la merde dans laquelle on s'est mis, vous pouvez toujours rêver. Parce qu'il ne viendra pas. Ah non. On s'est foutu dans la merde, c'est à nous de nous en sortir. Et ouais. Désolée, coupure. Ah, on s'est foutu dans la merde, c'est à nous de nous en sortir. Croyez pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir nous aider, non. À part nous-mêmes. Et puis comme nous-mêmes, bah, on s'aide que nous-mêmes, on va pas avancer, on va pas aller bien loin. Hein. Par contre, le système, il nous emmène. Hein. Ah, il nous emmène, il nous emmène. Et je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je sais où il nous emmène. Ah, je sais. Et il suit son agenda, d'ailleurs, le ministre l'a dit. Le ministre l'a dit. On suit notre agenda. Oui, il l'a dit. Vous n'avez pas entendu? Oh, quel dommage. Il l'a dit. On suit notre agenda. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Vous en avez un d'agenda? À part celui de d'aller bosser tous les jours, de rentrer chez vous complètement crevé et de pas penser aux autres, vous en avez un agenda, vous? Non, hein? Mais eux, ils en ont un. Puis ils le suivent, hein? Heure par heure, jour par jour, tout est en temps et en heure et tout fonctionne comme ils le veulent. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont affaire à des moutons. Ben oui, des moutons qui sont pas capables de s'entraider entre eux. Et qui vont tous dans la direction du berger. Le berger qui les emmène tout droit à l'abattoir. Mais si c'est ce que vous voulez, ben pourquoi changer? Ben voilà. Alors sur ces bonnes paroles, et ben, je vous souhaite une bonne journée. Hein? Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Et soyez heureux avec vous. Soyez heureux avec votre conscience. Soyez heureux avec tout ce qui vous entoure. Soyez heureux. Hein? Et d'ici une prochaine vidéo, bah écoutez, prenez soin de vous, hein, et à bientôt. Portez-vous bien, hein, surtout portez-vous bien. Bye.